Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous propose de revisiter l'histoire de la femme du 20e au 21e siècle. Jacques m'a enfin offert le robot de mes rêves. Moi, comme cadeau, il m'offre un nouveau marmot. Je vais l'appeler Boulinex. Gâte, gâte-toi dans ta cuisine, ma petite libido. Quand t'es avec Boulinex, tu penses pas aux joies du sexe. Et planque, planque ta lingerie coquine, ma petite libido. Si tu veux rendre ton homme heureux, un peu en fermant les yeux. Dans cette rétrospective, vous découvrirez le destin de trois femmes et nous suivrons leur descendance sur quatre générations tout au long du déroulé de cette soirée. Il va falloir vous accrocher quand même. Ça y est, la pilule est libéralisée. Oui. Mais enfin, un homme politique qui nous soutient. Alors que moi, je voulus garder le père, mais pas l'enfant. Eh ben, le père m'abandonna et partit avec une pute. C'est quoi ton truc? C'est du passé simple? Non, non, c'est du présent compliqué. Des chipandelles. Ouais. Des tapettes en slip roulant pour me faire oublier mon mari au bon Ursule. Il nous faudra attendre 7 ans. 7 ans. Pour qu'enfin, le 8 mars 1982, il y ait une fournée de la Jeanne. On est tous un peu paumés en ce moment. Ce matin, au cabinet, j'avais encore une patiente qui n'arrive pas à arrêter les strings, les parésies et le rouge à lèvres, alors... Non mais pourquoi veux-tu qu'elle arrête, hein? Parce qu'elle a 8 ans. Épanouissez-vous dans un métier et gagnez de l'argent, parce que nous, les femmes, devons être autonomes et choisir notre vie. Veille. Ce nom-là, pour moi, sonne comme le réveil. De 20 siècles de désir mis en sommeil, en séparant la grossesse du désir charnel. Tu nous as donné la clé pour le 7e siècle. Pour la pilule, moi je dis merci Simone. Tu m'as été bien plus utile que la Madone. Merci pour l'IVG et la péridurale. C'est plus sympa de donner la vie sans avoir mal. Merci d'avoir fait d'une femme une personne. Merci Simone.